Bonjour tout le monde, bon mardi. Je dis à moi venir avec cette habitude, monde qui réalise un pile bagaille pratique dans la vie chaque jour. Ou même qui t'a besoin changer la vie, chercher bon habitude qui pour aider au changer la vie pour. Ou besoin travailler plus dans la vie nous chaque jour au lieu de travailler pour un pochèque. Ça c'est personnel agrandissement pour ou même nan personnel la vie ou vie personnelle. Travail ak tèt ou pour pi bon ke hier, pour better than yesterday. La aide ou vive ou même pour faire changement pour ou. En pile moun toujours ap chèche yon façon ki pi coûte pour y arriver au lieu de pour y chercher éprouver la vie ou. Nous pas capable fait avant si que nous pas vle faire changement. Cette habitude moun ki réalise en pile bagay pratique chaque jour. Si ou pas un moun ki vle faire changement, rien pa changer pour ou. So pou rive faire changement, faut ou gagnon changement pour faire ou même premier changement doit commencer fait nan ou même. Avant qu'on cherche yon pi bon travail ou kouri de yon moun ki pa bon, ou doit commencer faire changement nan ou même là que moun commencer faire changement nan ou comme ça ça a aidé l'autre moun vin pi bon changement que ou pote nan la vie ou là a aidé l'autre moun tout faire changement pour la vie pa yo. Sept principes sa yo utilisé yo en pile pour nous faire changement pour réussir. Gen moun tout qui pa konnen li pa tro tan, nou pa janm fin konnen se apran ke nou dwe apran. Premye la se, moun ki fè chanjman ou bien moun ki reyusi nan la vi yo, yo proaktiv. Yo proaktiv se yo moun ki pa kite problem la vi a fèl de kouraje. Tout moun kap viv gen problem, men sa pa vle di fòk ou kite problem nan, ekri nan figi ou pa dwe pran problèm ou pou mete l sou do. Reyusi tou, se pa pou di se dormi ou ap dormi pou leve pou jwenn ou reyusi. Reyusi nan la vi a mande disiplin, li mande prensip, li mande komitman epi aplike yo pou fè personel devlopman nan ou menm ki pou ba ou entegrite, kap edo fikse karakter, kap ba ou patience, kap edo avec humilité, nou dwe apprann pou nou fè changman. Se prinsip pou bay la vi ou. Moun ki fè suksè, yo proaktiv. Yo pa kite problèm la vi a trenè, yo mete yo an ba pye, men yo chèche pito rezoud problèm. Yo remè lè yo gen problèm paske sa ede yo pense plus. Yo pa perdu tan nan surmonte problèm la vi a seulement, men yo chèche rezoud yo. Bi proaktiv, moun ki proaktiv pa peur problème mais yo chèche solution. Genye deux différences entre yon moun ki proaktiv et yon moun ki réaktiv. Gen moun ki réaktiv et genye moun proaktiv. Se deux moun ki différent. Moun proaktiv chèche solution avec problème yo. Moun ki réaktiv se plenyen yo plenyen. Moun réaktiv plenyen en pile le bagay yo pap mache. Mem si se bagay ki pa sou kontrol yo tan kota di tan, temperature, tremblement de terre, problem la vi a ki pa gen ki pa sou kontrol yo, moun réaktiv yo kite sa afekte yo. Li afekte yo nan performans yo. Yo pa pran konsyans de aksyon yo men yo pito blèm yo moun pou sakrive nan la vi yo. Men moun ki proaktiv, se moun sa yo menm ki pran kom yon deli devosyon, yon abitud pou yo chak jou, yo konen se desisyon pa yo pou yo chanje la vi yo. Men se pa kondisyon yo. Moun proaktiv pa plenye de kondisyon yo fè aksyon yo konen kap bon pou yo. Yo fè aksyon yo konen ke kap menen yo chanjman pou yo. Yo pa gen kontrol sou tout bagay, se vre, men
yo konnen yo dwe kontrole jan yo repon ak situasyon yo. Moun reaktiv, blèm moun pou sak pa mache pito au lye de chèche solisyon yo plenyen plus. Moun proaktiv yo menm, yo mande ki sa yo fè. Ki sa yo ka fè pou yo fè bagay yo chanje? Ki sa yo kapab fè pou yo fè on chanjman? Yo fokus nan sa yo ka kontrole. Yo pren responsabilite epi kenbe tèt yo wo. Nan la vi, se so se yon akteur ou bien se yon bandi. Se ou menm wa determine ki eske ou vle yo. Dezyèm, se yo komanse avèk finisman. Yo komanse avèk finisman an tèt yo. Panse a sa yo vle realize. Tout bagay komanse ak de bagay. Tout bagay gen de prensip pou li. Premye la se nan l'espri ou, epi tout dezyem nan se devlope. L dezyem nan se lo fè aksyon pou rive koto vle rive a nan la vi. Nan la vi fòk ou gen yon map pou determine life goal ou. Epi destinasyon, fò gen yon plan pou komanse, fò gen yon plan koman pou rive realize l. Kom si map sa ki nan men ou lan, wap soti nan pwen A pou rive nan pwen B, men se ki plan ou ki wout ke wap fè, se pa selman wè koto pralya men fò kou gen yon plan pou rive realize. Fò chita pou ekri la vi ou. Pou wè la vi ou nan 5 an de jodi ya, gen an pil moun kap viv san an plan pou la vi yo. Yo kite lot moun fel pou yo. Pa kite lot moun determine la vi ou, men se ou menm ki pou determine la vi ou. Ou dwe genye yon way pou la vi ou. Pa mande ki sa la vi ka ofri ou, men se ki sa ou menm wap ofri. Pa kite pase ou fel rete kotoye ya. Pou pa avanse, men se ki sa ou menm ou kapab apran de pase ou pou avanse, pou grandi, pou rive nan yon lot point. Avèk map ke ou gen nan la vi ou la, se ki sa ke wap fe avèk li. Eske wap rete chita an kote plenye selman ou bien wap komanse avèk finisman travay ou. Wap komanse wè pou fe chanjman pou la vi ou. La vi pa fe ou kado. La vi pa plonje ba ou. La vi gen an pil. Wout trou. Koman ta di wout la glise. Men se ou menm koman ke ou pral pran. Ki aksyon ke ou pral pran pou chanje la vi ou. Pa panse chita la vi a plonje ba ou. La vi gen an pil. Nou ka fè la dan. Men se nou menm ki kote nou fokus. Se ki kote nap dirije la vi nou. Troisyèm nan se yo priorize, yo priorite sa ke yo gen pou fè, yo plase priorite yo avan tout bagay, yo kon ki sa pou yo fè an premye. Genye de diferans antre yon bagay ke ou dwe fè, urjans e avèk yon bagay ki important. Gen bagay ki urjans, gen bagay tout ki dwe important. 20% de sa moun realize, se sa ki important. Kom ta di, nan moun ki realize, ki choy, moun ki chanje la vi ou ki fè suksè, se 20% seulement ki liye. Ki vè di ou gen 80% an plus de sa ke ou pa realize. So, 80% de sa pa realize a, minus ti 20% sa realize a. Se sa moun ki realize a fè, li pran 20%, li focus la dan, li pase plus tan la dan, epi tout li realize, li vin realize rêve, li vin realize objectif li. So, ou menm, pran 20% nan sa wè kap mache pou an, epi tout devlope l. Devlope 20% sa ke wè ou genye ki important pou an, ou lye de chita rete pa regle anyen. Se ki sa ki important pou ou? Epi tou kategorize ou? Ki sa ke ou priorite? Ou priorize? Examine chak aktivite ou yo pou wè ki sa ke ou ap fè pou fè chanjman nan la vi ou. Identifye 20% pou la.
20% pour là qui pour aider changer la vie là et puis tout vin master li. Master 20% ça pour ka diminuer éviter passer temps dans ça qui pas important yo. Ba gen on série de bagay que nous gen dans la vie nous yo pas important mais souvent c'est dans yo nous passer plus temps. Pendant ce temps si nous te garder des sac à marcher yo nous te prend 20% sac à marcher nous te capable pi loin nous te capable faire plus effort de côtoyer et avec côté que ou vle aller. Pensez à qui ça ou besoin les gars si ou vleye qui ça moun ka songe de ou les que ou pas sur la terre qui mission qui rôle que ou rempli sur la terre nous chaque nous vinn sur la terre nous gagnons bagay que nous capable rempli. Quatrième nan c'est yo pensez à gagnant. Les que yo nan yon game yo pa pense pou yo perdi mais yo pense c'est gagnant pou yo gagner gagnant. Yo konnen si yo vle gagner yo pa ka grandi pou ko yo mais yo même yo prêt pou yo comment travailler avec moun ki kapab travail avec yo pour yo rive pour yo aider l'autre monde yo prêt pour yo faire changement cap aider yo qui en bénéficio et cap bénéficier l'autre monde yo chercher gagner confiance dans l'autre monde dans teamwork laisse ça yo grandir ensemble comme si monde qui gagne pas seulement ouest seulement tête li gagne un teamwork si moun kap travay avèl li konnen moun sa yo ap edel grandi kon sa yo tout y ap grandi ansanm ki vè di nan nou menm ayisyen nou vreman kòm m ta di egoïs si ke nou konnen bagay nou pa vle pataje l avèk lòt moun. Mais moun ki genyen li rive fè suksè li pa rive fè suksè li menm seulement li kwè nan teamwork li kwè pou l genyen et puis tout pou l'aide lòt moun tout genyen. Pendant que nap travay ensemble nous tout nap grandi ensemble c'est comme ça yo élargi yo network pi facile que si que c'était yon seul moun ki t'a fait. Cinquième, yo cherche comprendre l'autre moun avant yo cherche moun comprendre yo cherche vivre avec l'autre moun yo cherche fonctionner avec l'autre moun avant que yo mande moun pour chercher comprendre yo. Dans la vie nous chaque nous moun kap viv nous pap kapab viv seulement nous-mêmes nous doit dépend de l'autre moun yo konnen yo même tout yo pap kapab faire rien av yo même seulement sans l'autre moun yo pap kapab rive faire tout bagay pour ko yo pap kapab nan yon relation seulement yo même yo al essayer comprendre l'autre monde yo essayer comprendre l'autre monde aider l'autre monde développer avant que yo mande comprendre pour l'autre monde comprendre yo. Et sixième, yo synergie vle di c'est les plusieurs moun mette force ensemble pour yo réaliser yon bagay. Plusieurs moun mette tête ensemble pour yo former yon comité, yon communauté, pour yo former ça que y a formé, pour yo former yon entreprise. Que si c'était yo même seulement qui t'ai fait. Yon seul moun pa ka travail pour rive et comment t'a dit pour rive toucher la vie 1 million moun ou bien 2 millions moun. Mais les que yo synergie yo mette ensemble, soit et yo travay ansanm moun ki gen vizyon an, gen moun ki gen talan, gen moun se enerji ke li gen moun se ekonomikman ke yo bezwen. So comme si yo plus kwè pou yo mete ansanm pou yo fè yon force au lieu de yon seul moun ki realize yon seul bagay. Septièmement pou fini, yo moun sa yo ki réalisé en pile bagay yo rafraîchi mémoire yo ki veut dire même si que c'est moun nan ki président groupe là ki président yon business li konnen que gen yon temps k'ap rive l'ap faibli li pap kapab rete campé tout temps so lè que yo prêt pou yo rafraîchi yo prend vacances yal nan conférence yo comment t'a dit yo cherche counsel et tout parce que gen moment yo konnen que yo besoin rafraîchi yo et nan moment ça yo
pas besoin business yo a fait main parce que c'est pour ça que yo te gen yon team yo connaît que même si yo pas là team yo a y a toujours travail comme si travail là c'était idée pas yon moun mais c'est pas yon seul men qui campé qui a fait toute bagay so même si moun n'a pas là li en vacances li doué loin que business y en entreprise a toujours a travail toujours a fonctionner yo be proactive yo comment t'a dit yo ouais yo pas ouais tête yo seulement yo ouais pour yo grandi ensemble yo ouais avec éducation apprendre moun skills apprendre moun bon habitude pour les que yo pa la pour travail yo toujours continue pour c'est pas yo même pour toute bagay pas de pan de yo même seulement livre ça c'était yon livre qui était écrit par Stephen R. Covey 7 Habits of Highly Effective People c'est yon livre qui très long en bref moi prends 7 ça que auteur a dit mais c'est un livre qui capable aide développer personnellement ou même et même avec moun tant que t'a dit yon moun ki gen un business yon moun kap travay yon côté ki gen un paquet moun sous contrôle li vraiment effective kap aide ou konnen comment pour communiquer pour ou même pour vinn pi bon moun tout ou capable essayer garder pour wè si ko capable jwenn yon copil en français ou bien en anglais ou bien en espagnol sur Amazon sur eBay ou bien checker tout dans librairie moi même c'est dans librairie que me prend livre moi pas presque acheter livre moi aller dans librairie moi order si toutefois ou pas gain et puis tout l'est disponible yo fait me connaît moi lire merci pour écoute nous c'était un brief des détails de 7 ça auteur a parlé dans livre là merci pour écoute nous Bye, audio sound thumbs up. À la prochaine.